Chorges, en Occitan alpin, Chorges, est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Caturiges. La ville possède une gare sur la ligne de Vênes à Briançon. Elle est aussi origine d'une ligne menant à Barcelonnette restée inachevée. Par suite de la mise en eau du barrage de Serponçon, le nom de la localité est cité sous la forme Caturigomagus. Ce toponyme est, sans contestation possible, d'origine celtique. Des racines gauloises, Cat, Catu combat, avec Ri, Rigo, roi, et Mag, plaine, champ ou marché, signifiant le champ de combat du roi, des Caturiges. Les Caturigo-rois se battent dans tous les passages des montagnes, contre les armées de Jules César. Le petit peuple de la vallée de la Durance, près d'Embrun est appelé Caturige par César dans le « bello Gallico » de la guerre des Gaules. Les Caturiges sont cités sur l'arc de triomphe de Suse. Vaincu, le village gaulois, appelé aujourd'hui Chorge, est une cité, appelée Civie. caturige Sur un monument élevé par Néron à Chorge. abréviation de Civita Caturigomagus, cité des Caturiges. Selon Pline, les Caturigos rois, jouissent des privilèges latins, ce qui n'est pas le cas de la plupart des Gallo-Romains. La cité Gallo-Romaine est, au IVe siècle, la capitale du Pagus Rigomagensi, de la Notitia Gallia Rome, fait partie de la province des Alpes-Maritimes. Le Vicus, celte de Caturigomagus, a été élevé au rang de cité en 450. La Civita de Chorges, devait englober la vallée de l'Ubaï. Chorges devient alors la capitale. D'un évêché dépendant de l'archidiocèse d'Embrun, supprimé à l'époque de l'installation des Burgondes, vers 480, mais une bulle du pape Victor II, à l'archevêque d'Embrun, datée 2057, cite encore l'évêché de Rigaud-Magentium. L'ancienne voie romaine, et le marché vicus, ou mago, se trouvaient autrefois, au nord de l'agglomération actuelle, sur le plateau. Les actes de l'évêque métropolitain d'Embrun-Simplade nous apprennent qu'il est venu à Chorges en 514, pour inaugurer un nouveau templum. Au XIe et XIIe siècle, l'Embrunais dépend d'un administrateur. Chorges est indépendante d'Embrun, et possède sa châtellenie et son tribunal, ou cours commune. La bourgade, est détruite avant 1077 par une guerre, selon Joseph Roman. Mais l'acte qui parle de la reconstruction, qui va durer un siècle, évoque peut-être des ruines, datant des guerres contre les Sarrasins. Entre 1080 et 1083, Chorge, est le centre d'un conflit opposant les moines de Sainte-Marie-Saint-Victor, dépendant de l'abbaye Saint-Victor de Marseille, et les chevaliers qui leur disputent des terres. Ces événements, sont rapportés par les cartulaires de Saint-Victor de Marseille, et ont fait l'objet d'un réexamen récent, par Florian Mazel. Le 23 juin 1585, le duc de Lesdiguières prend la ville. Chorges est initialement choisi, comme siège du chef-lieu du département des Hautes Alpes, en 1790, avant que celui-ci ne soit transféré à Gap. L'église paroissiale Saint-Victor a gardé quelques survivances romanes, après les restructurations intervenues au début du XVIIe siècle. Monument historique classé en 1862. Datant du XIIe siècle, elle fut construite de 1121 à 1124 par les religieux de Saint-Victor de Marseille. Elle eut à subir bien des vicissitudes, et fut pillée par les mercenaires de François Ier, en 1517, puis saccagée par les protestants de Louis M en 1569. Elle est occupée par les diguières en 1585. Puis l'église est incendiée à trois reprises. En 1586, lors du siège de Chorges, par Bernard de Nogaret et Pernon de la Valette contre les protestants. En 1692, lors de l'invasion du Dauphiné. Et en 1699, par les troupes du duc de Savoie, Victor Amédée II de Savoie. Elle est choisie, après la Révolution, pour réunir les 226 électeurs siégeant pour cette première assemblée départementale. Du 4 au 15 juillet 1790, pour former le département, qui choisir Gap, comme chef-lieu. Elle est classée sur la liste des monuments historiques, en 1862. Saint-Victor, est de style composite. Constitué d'une nef rectangulaire de deux travées assez massives, qui précède un cœur plus bas que le reste de l'édifice, l'ensemble des travées de la nef est voûté, d'une anse de panier très irrégulière, qui remplace probablement une couverture charpentée. Sur la façade méridionale, deux des trois anciennes baies romanes en plein cintre, très hautes, ont été maintenues. Dans la première travée, un pilier qui ne paraît pas antérieur au XIVe siècle soutient la tribune. On y reconnaît des motifs géométriques, triangles, cercles, et une roue à huit branches, tandis que sur le bénitier sont représentées des coquilles Saint-Jacques. À l'extérieur, l'abside pentagonale retient l'attention, par sa forme assez inhabituelle, bien qu'elle paraisse assez remaniée, son style reste roman. La façade méridionale garde également quelques marques de son appareil roman d'origine, malgré l'emploi de moellons de facture assez composite. La couleur rougeâtre indique la trace des incendies. On y distingue des traces d'arc, et de nombreux coups de sabre qui signalent les reprises. Dans l'ensemble, le monument a gardé, surtout au côté méridional, un aspect roman, renforcé par le caractère massif des proportions. Le clocher prend appui sur le côté nord. Les deux étages supérieurs sont délimités entre eux par un cordon. Unique à l'étage inférieur. Les fenêtres sont géminées au-dessus. L'utilisation d'enroulement dans les colonnettes du clocher reste un usage archaïque. L'accès, sur le côté gauche, se compose d'une porte, avec arc en plein cintre, à tort qu'accompagnent des colonnettes en retrait, dont les chapiteaux, offrent un décor de type traditionnel, crochets, feuilles, écussons, anges, animaux, plus tardifs que l'ensemble du monument. Dans ce portail l'emploi d'un trumeau central, exceptionnel dans le département, montre des tentatives d'innovation, et l'application d'influences extérieures. Autre lieu, et monument remarquable fontaine en marbre rose, construite à la suite de l'incendie du 9 septembre 1850. On peut lire sur la stèle, le bourg de Chorges à ses bienfaiteurs, à l'occasion des 9 et 10 septembre 1850. L'édifice, est inscrit au titre des monuments historiques en 1930. Porte des Souchons. Seule porte de la ville ayant subsisté. Il existe une rue Porte-Reveline, qui témoigne de la présence d'une autre porte autrefois. Pierre de Néron, époque romaine? Stèle située sur le parvis de l'église, portant une inscription en latin, où figure le nom de Néron. Château de Chorges, Détruit sous la Révolution, château aujourd'hui détruit, mais dont différentes pierres, ont été réutilisées dans le village, tel qu'un portique, des chapiteaux à personnages, ou encore un haut de porte, avec un écusson servant aujourd'hui de banc. Le château se trouvait en amont du village actuel dans le lieu dit au pied des vignes du Martouret. Viaduc de Chanteloube, pont ferroviaire, à l'origine destiné à relier Barcelonnette, la ligne ne fut jamais achevée. Le pont est aujourd'hui submergé par le lac de Serponçon, mais peut encore se traverser, lorsque les eaux de la retenue sont basses. Mes sources proviennent notamment de wikipedia.com. Les images produites proviennent soit de la toile, soit de mes collections personnelles. Ce texte est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée, grâce à texte speaker de la société Descochar.